Mars étant le mois dédié à la femme, celles de la maison d'arrêt du camp pénal de Liberté 6 n'ont pas été laissées en rade. Elles ont bénéficié d'actions de solidarité de la direction de l'administration pénitentiaire en collaboration avec l'ONG Tostan Fatoumata Savané. Elles ont démontré leur savoir-faire. Elles ont honoré leurs invités. Les femmes détenues de la maison d'arrêt du camp pénal de Liberté 6 ont célébré, comme celle du monde, la journée qui leur est dédiée. À l'instar de la communauté internationale, l'ONG Tostan, en partenariat avec l'administration pénitentiaire, a voulu bien célébrer cette journée au profit des femmes pensionnaires. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la réinsertion sociale des détenus. Cet établissement pénitentiaire, maison d'arrêt pour femmes, a été créé en 1995 pour désengorger la maison d'arrêt de Rebus et de mettre les femmes détenues dans les meilleures conditions de détention. La direction de l'administration pénitentiaire accompagne ses pensionnaires et prône le respect de leurs droits en milieu carcéral. C'est une journée internationale qui met en avant la lutte pour les droits de la femme et la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Plus qu'une journée, mais aussi les 6, 7, 8 mars, toute l'année, nous célébrons pour notre part la femme en respectant au mieux les droits de celles qui sont en détention dans les établissements pénitentiaires. Les femmes de la MAF ont accueilli l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Il a félicité le personnel administratif tout en encourageant les détenus. Je voudrais que vous puissiez donner aux femmes qui sont un peu partout. Il y en a là-bas aussi, là derrière aussi. Je veux remercier beaucoup. Il y en a là-bas aussi. Vous voyez, ils sont partout. Ils sont là-bas aussi. Je veux remercier beaucoup pour le travail qu'ils font chaque jour. Toutes les dames représentées ici, qui sont des dames comme nos mamans, des dames comme nos sœurs, qui pour le moment, elles sont là-bas. Mais il n'y a pas de différence entre nos mamans, nos sœurs, nos filles, etc. L'ONG Tostan a réaffirmé sa solidarité avec les femmes détenues. Plusieurs associations, dont la FABES de la RTS, ont tenu également à accompagner les pensionnaires de la MAF pour cette journée spéciale.